Le syndicat des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux du Mali et le groupement des transports routiers du Mali, Gros Porteur, ont débuté une grève de 72 heures à compter d'aujourd'hui, jeudi 11 mai 2023, à l'autobus Suisse à Faladja-Soukourou. Le chef de guichet, M. Abdoulaye Diarra, nous parle de mécontentement des clients par rapport aux grèves et nous sommes là à rembourser leurs tickets. Plus de 2 millions de remboursements ont été faits aujourd'hui. Actuellement, nous sommes, comme vous pouvez voir, c'est environ 2 millions de remboursements. Il y a d'autres aussi qui comprennent. Ils prennent notre numéro et puis ils disent ils vont s'informer. Monsieur Pierre Moussa Sirubé, agent de service courrier de Diarra Transport, nous parle du cause de la grève et demande la satisfaction de leur demande. Les syndicats réclament la mise en place d'un collège transitoire au CMTR pour juguler les insuffisances existantes. Bon, en deuxième position, nous demandons la suppression des vignettes automobiles sous sa forme actuelle. Et puis, nous réclamons aussi la mise en vigueur sans restriction du droit de traversée routière pour lutter contre les tracasseries routières et la mise en place d'un système de renouvellement du parc automobile des transporteurs routiers interurbains et internationaux. Enfin, nous demandons aussi l'exonération fiscale des importations des outils de travail. Nous demandons à ce que les autorités en charge prennent en compte nos réclamations et nos demandes. Moi, c'est Madame Kamisogo Kumasisogo. Je travaille à Diarra Transport comme courrier. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, on a trouvé assez de difficultés parce qu'on n'arrive pas à envoyer les courriers et les clients sont très mécontents. Quant à M. Souleymane Koulibaly, passager, il ne trouve pas d'importance à cette grève et il demande de trouver une solution à la grève le plus rapidement possible. C'est un problème parce que j'ai fait un déplacement pour venir trouver qu'ils sont en grève. Donc vraiment, on sait, on fait des grèves pour des causes bien précises, mais pour les clients ici au Mali, il faut voir, il faut prendre des décisions plus rapidement. Parce que apparemment, le Diarra Transport même est l'une des compagnies les plus fréquentées au Mali ici. Donc l'appel qu'on peut leur faire est de voir rapidement pour trouver une solution à cette grève. Moi, je suis Bintou Siribé, vendeuse de riz. La grève a été vraiment une perte pour moi, car j'ai préparé assez de nourriture, mais à cause de la grève, il n'y a pas eu d'achat. Je demande aux autorités de mettre fin à cette grève. Moi, c'est Abdoulaye, je suis un motocycliste Telmane. On est venu trouver ce matin qu'il y a grève. Et cela ne nous arrange pas du tout. On n'arrive pas à avoir des clients. Nous demandons aux autorités de mettre fin à la grève. En somme, nous demandons aux autorités de transporteurs routiers urbains et interurbains et internationaux du Mali et le groupement des transports routiers du Mali, Gros Porteur, de mettre fin à cette grève avant les 72 heures.